incroyable, quelque chose qui nous manque. Et j'aimerais bien vous proposer ceci, qu'on écoute la musique, mais vraiment. Alors on va commencer tout en douceur. Merci mille fois HK d'être là avec nous. Écoutez ça, écoutez. Dis-leur que ça nous fait du bien. Enfin, ça serait qu'il y a un problème. Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Oh, on ne sent pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi. Commence les colombes, dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur vos cœurs qui suivent, comme un moyen s'étale. Dis-leur qu'on se retrouve dans ce pays s'étale. Dis-leur nos corps qui vivent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres, à chaque pas de danse, sur la place au public. Oh, mais dis-leur que nous sommes. Enfin, ça fait qu'il y a un problème. Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on t'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on va finir. Dis-leur qu'on est ensemble. Dis-leur qu'on est ensemble. Que l'on avance, que c'est inexorable. Avant le différent, suivant le narcissique étoile. Il y a que l'on invente un autre chant possible. Comme ces oiseaux qui chantent au peu qui m'a qu'un autre enfant. Heureux et indécis, on est qui l'on fait. Il y a que ça nous fait. Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Oh, mon toucher. Que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur le cœur qui s'ouvre quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve dans une paix des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres, à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes
peur de la fin de finance. Nous sommes ceux qui vous désobéissent. La paix, 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 la paix,
Passer nos vies sur une vie.
Il est que l'on avance, tous ces différents, ensemble, nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Il est que l'on avance, à notre champ impossible,
maison. En quoi ça c'est un problème? Nous ne tenons pas la main. Oh, mais dis-le que on s'aime. Il y a ce qu'on fait. Non, nous ne sommes pas un problème. La maison de pour les musiciennes et les musiciens, pour Marie et Igor, s'il vous plaît, pour les occupants, pour toutes celles et ceux qui se battent, pour la culture, le lien social et une certaine idée de nous. Près d'un mois. Nous avons tenu cette tribune pour donner à entendre les voix des ignorés de la crise, ceux et celles que le gouvernement refuse d'écouter. Nous avons cherché à interpeller nos dirigeants et nous avons, grâce à cette occupation, obtenu l'attention du gouvernement. Nous avons rencontré Madame Sophie Wilmès et nous avons rencontré Monsieur Frank Vandenbroek. Et autant vous dire que nous avons été choqués. Nous avons été choqués d'entendre Monsieur Frank Vandenbroek oser nous dire de prendre en considération les 23 000 morts dus à la Covid-19 en détournant la culpabilité qui leur concerne vers nous. Nous avons été sidérés aussi qu'il ose dire que parmi ces 23 000 morts, une grande majorité est issue des classes précarisées. Nous avons été choqués. Choqué de son indécence d'oser le dire lui-même, parce que ce n'est pas un hasard. C'est les conséquences de décisions prises par le gouvernement qui sont injustes. Injustes et mortifères. Et c'est le gouvernement qui les a prises et c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Nous nous opposons au modèle de société malade qui nous est imposé. Nous sommes tout simplement indignés et l'urgence aujourd'hui, vous la sentez, l'urgence est palpable. Nous voulons ici, avec vous tous et toutes, nous voulons écrire le récit alternatif dont notre société a besoin plus que jamais. Notre colère est sérieuse et notre rage est partagée.
Cette journée iconique de la lutte et de la convergence est l'occasion pour nous de rappeler que le moindre de nos droits sociaux a été acquis de haute lutte, rien n'a été donné. Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec de nombreux alliés, celles et ceux qui nous soutiennent dans la lutte et qui nous inspirent, et nous avons eu la chance de nous exprimer sur différentes tribunes jusqu'à maintenant. C'est comme ça que nous avons attiré et que nous vous avons attiré jusqu'ici. Merci d'être venus. Alors, mais cesse trêve de mots, écoutons encore un peu de musique. Accueillons Las Lloronas. Si, elles sont là. C'est marrant parce que la Llorona, justement, c'est un fantôme. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire mexicaine du fantôme de la Llorona. Vous êtes là? Las Lloronas? Non? Vous êtes là, merveilleux. Je vous laisse la place. Las Lloronas! Minute de patience, on est calme et déterminé à faire de la musique aujourd'hui sur cette tribune. Je trouve ça beau de voir les gens qui s'installent comme ça, qui préparent la musique. Le silence, c'est peut-être la première note de musique. Écoutez-le. Thank you.
C'était trop fort, merci beaucoup, merci à tout le monde d'être là. Wouh. Thank you.
Salut. Oui, ça va très bien, je m'en fais un cœur quand j'étais là. Je suis là devant, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut s'en to adhere to, live up to, and perform.
blunt, woman white, you may pass unnoticed out of my focus, cause you are the norm, and you conform to my standards of safety. And you, you must stop here, undress, explain again. Again shamed, blamed, confined, defined.
Thank you.
cuerpo me lo dieron los lomitos. Recuerden que me dicta que a ti te necesito. Está la cadena, mirando siempre el momento. Solo dice cantando la meta, que te convencen y te confiaran porque me toca vivir. ¿Por qué no contento o descontento? Perdón, me tormento, no. Thank you.
Blijven dansen, we gaan ons niet alleen verschansen. Wij creëren nieuwe kansen. Oh nee, 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 Yeah.
gehaald. Het is een hele mooie overgang. Het is een super mooie overgang. Want ja, wij zijn ook Nederlandstalig. Dat is zo, wij zijn geëvolueerd. En niet zoals de ministers en de overheid. Die blijven steken in de jaren stilletjes. Een zeer, zeer, zeer goede middag iedereen. Dankjewel dat jullie hier vandaag opnieuw met grote getale aanwezig zijn op dit plein. Dank u. Sommigen van jullie kennen ons, sommigen niet, maar wij zijn bezet. La Monnaie occupée. Wij zijn werknemers en jonge studenten uit de culturele wereld, zowel Franstalig als Nederlandstalig. Achter mij is de hele equipe. We houden dit voor u met 3 micro's. 2 stickers en technieken al een maand vol. Al 1 maand. We hebben stem gegeven aan degenen die niet gehoord zijn tijdens de crisis. En die genegeerd worden door de overheid. We proberen onze leiders te ondervragen, te bevragen. Op een systematische manier. Van denigrerende manier dat ze met het volk omgaan. We hadden al eerder Sophie Wiermuis en minister van den Broek ontmoet. Maar helaas, helaas, heeft onze gesprekken niets uitgehaald. En zij hebben niets, niets, niets gedaan. En geen actie ondernomen. Maar wij verzetten ons tegen het zieke maatschappijmodel dat ons wordt opgedrongen. Wij zijn verontwaardigd en wij zijn woedend. En onze woede is gedeelde woede. Wij zijn allemaal woedend en verontwaardigd. Hier met u, met ons alles, willen wij een alternatieve verhaal schrijven. Dat onze maatschappij meer dan ooit nodig heeft. En dit is ernstig. Het is deze iconische dag van strijd en samenkomst. Het is voor een gelegenheid om te bedenken dat elk recht door harde strijd is verworven. Er is echt gevochten. Vandaag werken we hand in hand met een toekomstgenoot. De C, G, S, B. Op de Place de Broekijn, de PTB op de Kunstpark, de revolutionaire eerste mei op Place du Debal, Saint-Saint-Louis, in de Halle van Schaarbeek, en bedenk heel even, wij hebben de hele stad al overwonnen. De stad is terug van ons. Wij nemen de stad terug. En wij beginnen zelf een alternatieve verhaal te schrijven. En we hebben onze leiders daarvoor nu nodig. Hier vandaag nodigen we u uit op een iets andere forum. Want 1830 was er een revolutie. Hier achter mij ontstond een revolutie. Het is een symbolische gebouw in België. In 1830 is het begonnen en vandaag zullen we terug geschiedenis schrijven. Dank u. Ik heb de eer en het genoegen om het volgende artiest, Santos, Zanderes, aan te kondigen, Judith Kido. Thank you.
les putains de concerts que j'ai pas fait l'année dernière. Je suis trop contente, merci à tous, tous ces gens-là et à Monet, bien sûr, pour vous être Monet. Je vais vous faire quelques chansons de mon projet Judith Kido. Mais je sais, je sais. Woo!
Merci, Sophie Wilmès. Et puis,
Monsieur Frank Van Den Broek. Merci. Merci. Merci de nous avoir rappelé que c'était vous qui étions responsables. Merci, Monsieur Frank Van Den Broek. Merci de nous rappeler systématiquement que nous ne sommes pas assez hygiéniques, que nous ne sommes pas assez contactless. Ah, merci, Frank Van Den Broek. Frank Van Den Broek d'avoir cassé votre tirelire pour nous offrir. C'est ça qui est incroyable. Monsieur Frank Van Den Broek et Madame Sotilimès nous ont offert un cadeau énorme, gigantesque. Une énorme poubelle. Vous la voyez, la poubelle, elle est là. Vous la voyez? Écartez-vous pour la regarder, cette belle poubelle que Madame Sotilimès et Monsieur Frank Van Den Broek nous ont offerte. En fait, ils nous ont offert une poubelle. Et ils nous ont demandé de faire de l'ordre. L'ordre. Alors, ah oui, j'avais pas fini. Je voulais aussi remercier M. Alexandre de Pro. Merci, Alexandre de Pro. Mais oui, merci. Merci à ce grand éboueur professionnel qui nous a appris patiemment à faire le tri sélectif, qui nous a donné des critères, qui nous a dit c'est essentiel ou c'est non essentiel, qui nous a dit vous êtes responsable ou vous êtes irresponsable, et qui nous a dit c'est distanciel ou c'est présentiel. Merci Alexandre de Pro, merci. Merci papa Alexandre de Pro. Alors voilà, nous on s'est dit, on s'est dit qu'on allait faire un effort collectif. Voilà ce qu'on s'était dit à ce moment-là quand on a reçu notre belle poubelle. On s'est dit qu'on était responsables. Et comme on avait un certain esprit écologique et qu'en Belgique, on s'y connaît en tri sélectif, on s'est dit ok, on va respecter les directives de M. Alexandre de Pro. Hein, c'est ça qu'on s'est dit. On est sympa en Belgique. Alors on s'est mis. Dans la grande poubelle du gouvernement. Vous vous souvenez ce moment-là? Vous vous souvenez ce moment où on s'est mis à jeter dans la poubelle du gouvernement? On s'est mis à jeter les tapes sur le dos pour dire courage, on s'est mis à jeter les poignées de main pour dire on est ensemble, on les a jetées! Aussi tous les précaires, hein? Tous les précaires et toutes les précaires! À mort les pauvres, voilà! On s'est mis à jeter tout ça, et au final, on a tellement jeté qu'on ne savait plus quoi jeter. Alors tout à coup, on s'est mis à se jeter nous-mêmes. Ben oui, on s'est jeté dans la poubelle du gouvernement. En fait, au fond, nous, là, nous, on n'est que des déchets. On est que des déchets et on s'est mis à se jeter dans ce grand poubelle, sauf que nous, on est des déchets sans emballage et sans plastique. Alors, quand ils nous ont demandé de nous recycler, vous vous souvenez de ces moments où ils nous ont demandé de nous recycler? Là, vous ne savez pas comment faire parce que nous les amis, on est des déchets organiques. C'est que du purin naissent les fleurs. Voilà, j'avais envie de la dire, celle-là, parce que comme c'est charmant. Du purin naissent les fleurs. Mais voilà ce qui s'est passé. On a tellement tout jeté qu'on n'a plus rien. C'est ça que je me dis, moi, parfois. Je me dis qu'on n'a plus rien, qu'on est vide. Merci. Rien, peut-être qu'on ne se sait pas, mais peut-être qu'il nous reste notre voix. Peut-être. On était là, tout seul avec notre voix. Et puis on s'est dit, on va errer, on va marcher. Voilà ce qu'on va faire. Et vous m'entendez?
Tout le monde ici comprend pas bien ce que tu viens de dire. Je crois que tout le monde ici ne comprend pas bien ce que tu viens de dire. L'oracle, répète. Enfin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, vous pourriez énigmatique. Ah, énigmatique, ouais, mais. Bon, moi je suis oracle, hein, je suis pas premier ministre. C'est mon job, quoi. Je sais, c'est un boulot de merde, hein, oracle. Non. Je suis dans la poubelle du gouvernement. J'en ai marre, non, je suis venu une première fois, la deuxième fois je sors. La première fois, ils n'ont rien compris, hein. Ils n'ont rien compris. Mais ici, je ne sais pas, hein, ce matin, j'ai senti un élan. J'ai senti les gens, je suis sorti. L'oracle a senti un élan, je ne sais pas si vous entendez ça, mais ça fait plaisir, non? Ok, les amis, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de très important. Mais je pense aussi qu'on a besoin de silence pour pouvoir entendre. Ça vous va si on écoute? Alors, c'est important hein, ce qui est en train de se passer. On va écouter l'oracle. Ouais. Silence, s'il vous plaît. Ok, est-ce que voilà, il y a des questions? L'oracle, vous en foutez? Mais l'oracle est en train de prendre des consultations, donc si vous avez des questions sur l'avenir, c'est le moment. Pourquoi la police assassine? Parce que ils ont un uniforme bleu, qui cache un cœur rouge. Ok, bon, ça suffit maintenant, moi j'en ai pas aussi. On va lancer vite tout de suite. Je crois que l'oracle en a marre là, je crois qu'il en a marre. L'oracle ! À chaque fois que je fais l'émission, c'est toujours, ça tourne toujours entre tes vies. Moi j'en ai rien de mais sans mal encore, je suis en mode émission. Sérieusement, j'étais ici en plus ce matin, je sentais quelque chose de faux. Je me suis dit que vous alliez faire quelque chose de différent. Ok, bon, moi je fais. Je pense que l'oracle en a marre, il a besoin d'une échelle. Est-ce que quelqu'un a une échelle là ce soir? Est-ce que quelqu'un a une échelle? Non, mais tout comprend, elle est très claire et tout. Magnifique. J'ai perdu mes droits passerelles. Bon, le pauvre, il a perdu ses droits passerelles quand même, hein, l'oracle. C'est pas facile non plus la situation des oracles. Non, mais c'est vrai, il en a marre et puis il nous comprend, nous les précaires, parce que voilà, c'est un peu la même chose pour lui, quoi.
s'il y a une terrasse ou un café ou quoi qui est ouvert. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose? Bah non, mais non, l'oracle, je suis désolée, mais c'est fermé tout ça, c'est fermé. Je pense que l'oracle est un peu déçu, là. Je pense que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Oui, parce que l'oracle, il était là, il était ici, là, sur la place de la Monnaie, vous savez ça? Vous savez que l'oracle était ici, l'oracle, il était ici il y a 190 ans. Il avait déjà dit, ils lui ont fait la force. Il avait déjà dit tout ça, mais ça n'a pas été compris, je crois. Bon, alors, l'oracle... Alors, excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un... Parce que, bon, l'oracle est un peu de mauvaise humeur, on dirait. Est-ce que quelqu'un aurait une bière pour l'oracle? La même situation, en 1830, il y avait un lockdown pendant un mois. Pendant un mois, le gouvernement hollandais a mis un lockdown, tout était fermé. Parce que le prince Guillaume d'Orange avait fait une loi fondamentale, le totalitarisme. Et il y avait des tensions à droite, à gauche, au sud, au nord, flamand, wallon. Et puis, un soir, mais seulement un soir, ils ont décidé d'ouvrir un théâtre. Et c'était pas le 1er mai. C'était pour l'anniversaire du roi. Et à ce moment-là, tous les bourrés de Bruxelles sont venus parce qu'il faut arrêter. Hein. Moi j'étais en règle à ce moment-là, j'ai vu, c'est pas vrai, c'est un spectacle d'opéra. Ils sont venus, ils ont regardé l'opéra et puis après ils sont sortis. C'est pas vrai, c'était pas un spectacle. C'était un acte politique. Le problème c'est qu'après, ils n'ont rien compris à ma prophétie, j'avais dit l'union fait la force. Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un parlement avec des lois, avec un drapeau, avec un hymne. Ils ont fait toutes ces choses-là, puis ils ont fait un roi allemand, puis ils ont fait le Congo, ils ont fait les tranchées, ils ont fait les collabos, et puis ils ont fait les usines. Les mines, les missiles F-16, ils ont fait tout ça, après ils sont partis en guerre et maintenant c'est money. Hein? Et maintenant il y a un virus, allez putain c'est chiant. Il n'y a aucune vision. Mais ils avaient, à l'époque, ils avaient une idée. Et c'est peut-être pour cette idée-là que je suis sorti de ma dépression de 190 piges. C'est une idée qui s'appelait l'union des oppositions. L'union des oppositions. Non, j'aime pas le choix. Bon voilà, maintenant ça, je dis ça, je dis rien. J'ai terminé mon tas de rack, moi je prends ma pension, c'est un terminus, bonsoir. Y'a un night-shot dans le coin ou... Ouais. Bon voilà, je vous laisse. On est là tous et toutes sur cette place et il y a un oracle qui vient de nous donner une mission. Et je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais l'oracle nous a donné une mission. Il nous a demandé de rejouer la révolution. De rejouer la révolution et de changer le cours de récit parce que ça a foiré en 190 ans plutôt. Donc, c'est marrant parce que... Non mais bien sûr, je vous dis ça à l'oracle qui nous parle, etc. Mais bien sûr que c'est une fiction, hein. Ah non, il y en a qui commencent à y croire. Oui, oui, non mais oui, commençons à y croire. Tiens, voyons où ça nous mène. Voyons où ça nous mènerait de croire, pour de vrai, qu'un oracle vient de nous donner une mission qui est de rejouer la révolution et de l'amener ailleurs, à un endroit meilleur. Voyons voir ce que ça donne. Il nous a parlé de cette union des oppositions. Alors, moi, ça me donne envie.
envie d'essayer, quoi, de voir ce que ça donnerait si on croyait vraiment à cette fiction-là. Si on commençait à se dire qu'on était en train de jouer une grande histoire et que cette histoire commencerait par l'union des oppositions. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas exactement ce qui est en train de se passer là maintenant? Est-ce qu'on n'est pas là tous justement parce qu'on a envie de dire non, non à une certaine gestion de la crise? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on est là ici tous ensemble? C'est que là, entre nous tous et toutes, il y a encore les mots de toutes les personnes qui sont venues sur cette tribune pendant un mois. Il y a encore tous ces mots qui sont là avec nous. Alors on est vraiment nombreux et nombreuses. Et j'ai envie de vous dire, tiens, si on voyait ce que ça donne, d'acter quelque chose, on acte. Ok, écoutez-moi tous et toutes, on est en train d'acter quelque chose d'historique. Historique, c'est une histoire. C'est historique. Nous sommes en train d'acter le fait qu'ici, toutes les personnes qui sont présentes font partie d'une union. Voilà. Nous sommes une union des oppositions. Nous et toutes les personnes qui sont passées sur cette tribune. Alors, j'aimerais juste rappeler, mais, parce que c'est incroyable, alors vous êtes très nombreux, mais aussi il y a eu de très nombreuses personnes qui sont venues ici. On aimerait rappeler ça. Ou ça va prendre un petit temps, parce que ils étaient très nombreux. Alors, c'est parti. C'est parti. Qui est passé par ici? Sur cette tribune, se sont exprimés Bruxelles Maillot Orchestra, Laurent Vigneron, Comi Boy, Comité Free Assange Belgium, Rapper Chinese, Sarah pour Housing Day, Clara Inglès, Chorale Cheval, Jeunesse en Lutte, Jeunesse en Lutte, les étudiantes du Conservatoire de Bruxelles, Rapper Roja, la Fref, la Slameuse Théa, Article 27, musicien Fishman, Slameur Cavena, Capitaine Fracasse, Citizen, musicien Arnaud et la comédienne Brune Bazin. Militante féministe du LIN et la comédienne Adeline, Maria pour les travailleuses du sexe, Maxime et Lise pour une chapille. La Fronde, ouais. Alexis Deshit pour Esmaël Garance, la Slameuse Sout, le musicien Eric, les bons plats de Dimitri, Céline et Sylvia et Julien, DJ Virgule, Christine Maïs, Cédric Jamar pour le récap, le rap de la Chaumière, Axel et Leila pour du Crazy Circle. Les 24 ans Bruxelles, le C12, le duo de Slam ZNT, le slammer Mathieu. Audric qui a lu la lettre de la famille d'Adil. Ayoub Bouba, frère de Mehdi. Latifa pour le collectif des Madrés. Artiste Astrid Akai. L'avocate Selma Ben Khalifa, l'auteur mettant en scène Jonathan Kibani Boussalé et ses deux comédiens, Monsieur Belkacem pour une Algérie libre et plurielle, Noé Freshoff, Chez Kouba, Ninon, Asia et Ahmed pour l'USPR, Florentin pour le Théâtre National, artiste Bibi, Jihad et Abdel Salam, le groupe Tiki Waka, Abdou pour le collectif Afghan, artiste Ayat Riz, poète Kour Nurdi, Marie Thérasse et Serge Noël. Comédienne François Badou, Gaspard Abdelhak, trio musical, merci pour le collectif 8 mars, trois représentantes de l'ARRF, elles font des films, paye ton tournage, Pauline Zernel du Conservatoire de Bruxelles, artiste Véronique P, artiste Mario Velas, le CAC. Pour le yoga.
de l'Amina Collectif, Nast Monique, la drag queen, Alec de Coster, Adèle pour la chanter en lutte, deux sages-femmes de l'ASBL Aquarelle, les taupes qui boivent du lait, Fanfare Fatale, Manuel Hermia, la performeuse danseuse Saradette, Axel, une étudiante au Ritz, le poète Ali, le danseur classique Lilian Artaud, Biastre, la chorale Friture, Marie-Aurore Tarmance et son DJ, Benjamin. Lancez-le plus haut, lancez-le plus haut.
doivent pas aller dans la poubelle du gouvernement. Lancez-les plus haut. Lancez-les, lancez-les. Oui. Encore un envol. Un élan. Thank you.
Thank you.
Après, bon, c'est vrai que t'as dit, normal, on laisse la poubelle, en échange, tu ne tapes pas, et puis on est gentil. On a beaucoup de coups. Non, non, ils sont... Ils sont tous au bois de la cambre, hein. C'est hallucinant. Ouais, ouais. C'est qu'au bois de la cambre, ils ont...
négociation et de discussion, hein. Je vous préviens. Sachez que nous avons de la chance là, ici, présent. Nous avons de la chance parce que un peu plus haut, au cinéma Nova, il y a des gens qui sont en train de se faire nasser. Thank you.
belle équipe première. Au Parlement ou au Parlement. Là, ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Non, moi je réponds mais il faut parler au Parlement. Et d'une des minutes, il n'y a aucun sens de la femme du gouvernement qui rentre. C'est ce que je dis. C'est un beau discours tout à l'heure. Je vais me brouiller. Pour le quai, pour la voiture. Il n'aura de rester qu'un pouce d'ensemble, plus abri que possible, afin que nous puissions tous arriver là-bas, juste ensemble, en courant du mieux. Sortis de la salle. Donc nous allons exprimer notre soutien par notre présence. Ça suffit, c'est tout ce qu'il faut. Oui. On va dire avec nos corps. Très bien. Tranquillement, calmement. On se met ici entre la monnaie et le Nova. Non, on veut pas du sang, non. Ok. Venez, venez par ici. On va pas. On retourne à la monnaie, s'il vous plaît. En fait, le Nova ne veut pas qu'on les soutienne.
Renate. Chargez. Non.
vous pouvez vous balancer, vous pouvez vous balancer. On est plus fiers, on est plus fiers.
Les gens n'ont même pas de colère. Je suis sûr que personne n'a jamais vu le temps. Mais je sais que c'est le temps. Il y a plein de comportements qui sont comme ça. Merde, c'est vrai? Tu veux plus voir? Merde!
Thank you.
dans les villages.